c'est la marque audio d'Apple. En rachetant Beats en 2014, Apple a non seulement acquis les bases de son service de streaming, mais aussi un fabricant de matériel audio. Depuis, la marque Beats, fondée par Dr. Dre, continue quand même de concevoir des enceintes, des casques et des écouteurs. À l'image de ses Power Beats Pro, son matériel tient même partie des technologies d'Apple, comme en témoigne l'intégration de la puce H1. Mais alors à quoi sert exactement cette puce ? Tout simplement à permettre un appairage rapide à un appareil iOS, mais aussi l'activation de Siri seulement à la voix. Pas besoin d'appuyer sur un bouton pour lancer l'assistant vocal, il suffit de prononcer son nom, comme sur les AirPods 2. Dis Siri, quel temps fait-il demain ? Pour appairer les écouteurs, on ouvre simplement l'étui de recharge à proximité d'un iPhone et une notification s'affiche alors sur l'écran du smartphone. On confirme et c'est terminé. Les Power Beats Pro peuvent également être appairés à un téléphone Android de manière plus classique, mais dans ce cas, certains réglages ne sont pas accessibles. Il est par exemple impossible de désactiver la détection automatique des oreilles, dommage car elle permet de mettre en pause la musique ou la vidéo que l'on regarde dès qu'on retire les oreillettes. En revanche, on regrette clairement qu'aucune application ne soit disponible pour gérer plus d'options. Comme chez d'autres marques, elle aurait pu permettre par exemple d'affiner l'égalisation des écouteurs. Les Power Beats Pro sont en effet riches en basses, pas vraiment surprenant pour la marque dont c'est même la signature sonore. Ils sont donc parfaits pour la musique électronique, le hip-hop et dans une moindre mesure le rock. Mais le classique et le jazz souffrent quant à eux d'une restitution pas très fidèle. Heureusement que ce ne sont pas spécialement les musiques qu'on écoute le plus lorsqu'on fait du sport, et les Power Beats excellent dans cette utilisation. Le crochet disposé sur chaque écouteur permet de très bien les maintenir en place, quelle que soit l'intensité de l'activité physique. Ils peuvent aussi encaisser la pluie et la sueur sans difficulté, mais attention, ils ne sont pas complètement étanches, on évitera donc la natation au risque de les endommager. Mais le point fort des Power Beats Pro est sans conteste possible leur autonomie. Alors que Beats annonce une durée de 9 heures, le labo de ZeroNet.com a mesuré une autonomie hallucinante de 10h31. C'est tout simplement la meilleure du marché. En plus, l'étui peut recharger plusieurs fois les écouteurs et atteindre ainsi 24 heures d'autonomie globale. Cerise sur le gâteau, une recharge rapide de seulement 5 minutes permet 1h30 d'écoute. Pour permettre cela, il faut évidemment une grosse batterie et donc un étui bien plus encombrant que ceux de ses concurrents. Avec ses Power Beats Pro, Beats fait donc un carton plein, ils tiennent très bien dans les oreilles, leur qualité sonore est excellente et leur autonomie exceptionnelle. En fait, leur seul vrai défaut, c'est leur prix. Avec un tarif de 249 euros, ils sont parmi les écouteurs True Wireless les plus chers du marché.